La qualité audio quand on fait de la vidéo, c'est vraiment primordial. Tous ceux qui ont réussi l'ont bien compris et vous non plus, vous n'y couperez pas. Si vous voulez que les gens restent jusqu'au bout de vos vidéos, il faudra que l'éclairage et l'audio soient absolument impeccables. La preuve, c'est que même si j'abaissais manuellement la résolution de cette vidéo, ce serait un petit peu moins chouette à regarder. Par contre, vous serez capable de rester et d'écouter ce que j'ai à vous dire si jamais le sujet vous intéresse. On remonte ça. Par contre, je vous mets au défi de rester sur une vidéo passionnante si le son ressemble à ça. Ok, partez pas. C'était juste pour l'exemple, on revient à la normale. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment améliorer la qualité de vos enregistrements audio, et ce, avec les moyens que vous avez à disposition, et sans changer quoi que ce soit dans l'isolation sonore de votre pièce. J'en prends pour exemple un des plus gros youtubeurs tech au monde, Marques Brownlee, qui vient de passer la barre des 10 millions d'abonnés, et il utilise un des micros les plus célèbres et les plus chers du marché, le Sennheiser MKH416, qui coûte plus de 1000 euros. Alors c'est sûr, il a un son qui est merveilleux, à mon avis, il a presque rien à changer pour que ce soit nickel avant de publier ses vidéos. Alors est-ce que nécessaire? Si vous avez les moyens de l'acheter, et que c'est votre gagne-pain, et que ça vous fait gagner un temps de fou à chaque fois que vous tournez une vidéo, évidemment, c'est une solution qui vous fera gagner énormément de temps et donc énormément d'argent. Par contre, pour le commun des mortels comme vous et moi, c'est un petit peu une autre histoire. Et si je commençais à acheter des micros comme celui-là, je pense que je recevrais des appels de ma bancaire et que ce serait pas pour me souhaiter la bonne année. Si on revient à ce que je vous disais, ce qui fait que ces micros sont si chers, c'est qu'on arrive à en tirer un son ultra haut de gamme presque sans la moindre retouche. Mais ce que ça implique, c'est qu'on peut peut-être obtenir des résultats très professionnels avec du matériel beaucoup plus accessible, et c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer pas à pas dans cette vidéo. Alors je me suis demandé avec quel micro on allait faire ça. J'ai pensé, pour commencer, à mon Rode NT, que vous connaissez peut-être déjà. C'est normal, c'est un des micros les plus répandus sur YouTube. Et alors, j'ai fait un petit test d'enregistrement pour voir ce que ça donnerait, mais le problème avec ce micro, c'est que le son est déjà tellement bon en sortie, même s'il n'est pas si cher que ça, à moins de 200 euros, que les défauts sont super difficiles à entendre et ça aurait été un petit peu moins intéressant de vous les faire écouter, de vous apprendre à les corriger. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, parce que j'ai une vidéo qui arrive très vite et dans laquelle je compare tous les micros que j'ai achetés au cours de mon expérience de vidéaste, le but étant de vous aider à voir lequel est le plus adapté à vos besoins et à votre budget. Mais on en reparlera dans cette vidéo-là. Bref, comme le Rode était trop bien pour la vidéo d'aujourd'hui, je me suis rendu sur Amazon et j'y ai acheté littéralement le micro le moins cher que je pouvais trouver pour du podcast. D'ailleurs, c'est la première fois que je reçois un paquet non plastique d'Amazon, ça fait un petit peu plaisir, j'espère qu'ils font ça plus souvent. En tout cas, l'emballage a l'air sacrément mou, ça promet d'être épique. En même temps, à 17 euros, il aurait bien pu être emballé dans un sachet plastique, ça n'aurait pas changé grand chose, c'est un super prix pour un micro. Même si la qualité sera forcément pas au même niveau que ce micro-là ou le Rode que je viens de vous montrer. Alors vous y méprenez pas, je suis convaincu que pour un premier achat ou pour remplacer le micro de votre smartphone, ce sera un super choix et les dizaines, centaines d'avis sur Amazon ont l'air de penser la même chose que moi. Du coup, l'avantage, c'est qu'en plus, comme il est très peu cher, je me suis dit que tout le monde pourrait se projeter dans cette situation et puis, dans tous les cas, tous les conseils que je vais donner pour améliorer la qualité audio sont applicables pour tous les micros et je les utilise même pour les micros les plus professionnels que je possède. Ce micro, c'est le Neewer NW800 et restez bien attentifs parce que je l'ai acheté exclusivement pour ce cours et comme vous êtes de plus en plus nombreux à avoir rejoint ma chaîne, je me suis dit qu'un moyen super cool de vous remercier, ce serait de le faire gagner à l'un d'entre vous au cours de cette vidéo. Je vous donne les règles dans un moment. On le déballe ? J'avais pas tort, le carton est quand même extrêmement mou. Alors qu'est-ce qu'on a ? Oh ! C'est marrant parce que ça me fait penser à quelque chose. C'est la règle en matériel pro selon laquelle au plus l'article que vous achetez est cher, au moins il y a d'accessoires. C'est souvent vrai et l'inverse aussi, c'est-à-dire que là on est sur un micro qui coûte 17 euros et pourtant on a la mousse, le câble et même une suspension pour éviter les vibrations. Pour vous donner un contre-exemple, celui qui est accroché à ma caméra en ce moment, qui coûte plus de 200 euros, n'arrive que avec ça et puis une petite sacoche pour le transporter. Donc c'est vraiment un plus qui est très appréciable parce que c'est le genre d'accessoires qui peuvent faire grimper le prix d'un micro s'ils sont pas fournis avec. Il était quand même un petit peu plus classe sur les photos, mais c'est quand même pas horrible. On a une prise XLR qui est le standard du domaine qui va venir se raccorder à votre caméra sur une prise casque. Donc c'est bien, ça montre que ça peut marcher si vous filmez avec vos smartphones ou avec un DSLR. Vous devriez même pouvoir le brancher à un ordinateur pour vous en servir si vous faites du streaming. Il y a un truc qui est assez important à regarder quand vous choisissez un micro, c'est la manière dont il va capter le son. En l'occurrence, c'est un micro qu'on appelle cardioïde, c'est-à-dire qu'il va capter tout son provenant à peu près dans la forme d'une sphère au-dessus du micro. Vous avez des schémas sur internet, vous pouvez vérifier selon ce qui est annoncé. Par opposition à celui-ci qui est un omnidirectionnel qui va capter les sons dans toutes les directions, ou celui-là qui est un super cardioïde et qui en plus de capter le son en face va également capter le son des directions opposées, donc des sons environnants. C'est pour ça que c'est important de super bien orienter un micro comme celui-là vers son sujet et c'est pour ça que c'est important avec celui-là de parler à proximité du micro. Encore une fois, c'est pas nécessaire de rentrer à ce point-là dans le détail dans notre vidéo aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fera peut-être un peu mieux dans la prochaine. Pour aujourd'hui, on va se contenter de le brancher à l'ordi et de voir ce que ça donne et surtout comment s'approcher le plus possible d'un son pro. 1-2-1-2, ici Vincent, vous êtes connecté avec mon nouveau micro Neewer. Je peux décider d'être super calme, au contraire super énervé. Et puis on va aller arranger tout ça dans le studio. Bon, ok, on va pas se mentir, c'est pas génial, mais c'est pas non plus l'horreur, franchement. Alors,
J'ai quand même eu à monter à fond le niveau d'enregistrement et puis à rehausser encore un petit peu derrière avant d'exporter mon extrait vidéo pour que ce soit à un niveau décent, donc il a quand même une très faible sensibilité. Par contre, encore une fois, c'est pas horrible, je pense que c'est déjà mieux que la plupart des smartphones. Mais justement, c'est tout l'intérêt de cette vidéo, c'est qu'on sent que ce micro, il a beaucoup de lacunes qui justifient son prix, mais en même temps, il a un gros potentiel et c'est ce qu'on va essayer d'exploiter pas à pas dans cette vidéo. Pour ça, on va voir dans l'ordre la compression, le nivelage, la suppression du bruit et la filtration qui est pour moi la partie la plus importante. Pour ce tuto, je vais utiliser le logiciel de montage gratuit qui s'appelle DaVinci Resolve, que j'utilise à chaque fois que je fais du montage sur ma chaîne. C'est un logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement depuis le site de l'éditeur et puis je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo, avec à peu près tous les autres gadgets techniques que vous allez voir dedans d'ailleurs. Donc ce que je viens de faire, c'est que j'ai importé dans ma timeline mon enregistrement et puis comme on veut s'occuper uniquement de traiter l'audio, on va aller dans l'onglet Fairlight qui se trouve ici et qui est dédié justement au post-traitement audio. Ce que vous voyez ici sur la gauche, c'est l'amplitude de mon signal audio et puis ici et tout à droite, on a le niveau audio qui correspond à la puissance en décibels et qui est soit verte, soit orange, soit rouge. La règle générale, c'est que vous devez éviter tant que possible de vous trouver dans le rouge, sauf dans des circonstances spécifiques, par exemple une explosion ou à proximité d'un réacteur d'avion. Les dialogues doivent en général pour être audibles osciller dans le orange et la partie verte, c'est tout ce qui va être dédié aux effets sonores, à la musique de fond, etc. Des choses qui n'ont pas besoin d'être dominantes sur votre piste audio. Ce qui est important, c'est qu'il y a quand même une forte part d'instinct et de contexte dans le niveau audio, mais ça nous donne quand même une bonne règle de départ au démarrer. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a des zones qui sont vertes, d'autres qui sont orange dans la moyenne, on est dans l'orange, et puis d'autres comme là qui sont un petit peu trop rouges. Je les fais volontairement, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par normaliser ou compresser, ces deux méthodes différentes, les niveaux audio pour que tout se trouve au final à peu près dans l'orange. On sera plus en train de se casser ou de tendre les oreilles pour savoir ce qui se passe sur la piste. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne mes plans audio, j'y fais un clic droit et normaliser les niveaux audio. Vous voyez ici que je peux mettre mon niveau cible à -9 dB qui est à peu près en haut de la partie orange, et si je fais normaliser, on voit que tout s'est déformé, et si j'ajuste mon niveau de sortie, c'est pas déconnant, à part sur la partie où je crie, on a maintenant toute la piste audio qui se trouve dans les oranges. Ce qu'on va faire maintenant pour couper cette partie justement où je crie et qui est trop forte, c'est qu'on va aller appliquer un effet qui s'appelle le limiteur et qui, comme son nom l'indique, limite tout son dépassant le seuil qu'on indique ici, donc en l'occurrence on va mettre -10 dB, et vous allez voir qu'à chaque fois que le son passe ce seuil, le limiteur va le forcer à rester en bas et on n'aura plus jamais de son saturé. Et franchement, déjà, on n'a plus la saturation de quand ça crie, on n'a plus le trop bas de quand je chuchotais, c'est top. Donc là, on vient de normaliser les niveaux audio, les limiter, et puis on a fait un petit peu de nivelage aussi, ça nous a permis d'enlever ce qui est vraiment anormal et puis de ramener tout dans un niveau qui nous intéressait. La troisième partie, elle est assez importante, par contre je vais pas y passer beaucoup de temps parce que ça dépend d'énormément de choses, notamment la configuration et l'isolation de votre pièce, le micro que vous utilisez, les conditions d'enregistrement, et c'est la suppression du bruit. Si votre plan a beaucoup d'écho, c'est un truc qui se corrige, mais c'est très compliqué et ça va dégrader votre audio. Une des solutions pour corriger ça, ce serait de choisir un micro qui est moins sensible à l'audio, comme celui-là, parce que je suis dans une pièce qui résonne et pour autant n'entend pas beaucoup de résonance, ou alors d'isoler votre pièce. Par exemple, moi, pour compenser un petit peu la résonance, je suis allé mettre une couette au sol. Ça a l'air bête, mais ça va absorber une partie de l'écho. Il en restera forcément toujours un petit peu puisqu'on n'a pas fait les murs, ni le plafond, ni les angles, mais ce sera déjà un petit peu mieux. Vous pouvez aussi acheter de la mousse à mettre au mur qui va aider à isoler. Enfin bon, il y a des tonnes de solutions pour isoler et réduire l'écho. C'est pas l'objectif de cette vidéo. D'ailleurs, les micros qui sont un petit peu moins sensibles aux échos que les autres, ce sont les cravates ou éventuellement les cardioïdes comme celui-là. Si votre micro a un souffle de fond, par exemple que vous avez oublié d'éteindre un ventilateur ou quelque chose dans le genre, vous avez un effet qui s'appelle Noise Reduction et qui va vous permettre, en réglant les différents critères, de venir supprimer ce bruit de fond. Et là encore, vous verrez que le but, c'est bien de prévoir son plan en avance pour le réduire, parce qu'après, on perd un petit peu dans la qualité de la voix. Et enfin, si votre micro était trop proche d'une source électrique au moment où vous avez filmé, ou que par exemple, il pointait vers un néon qui bourdonnait un petit peu, vous allez avoir ce qu'on appelle du bourdonnement. Et pour ça, il y a également un effet dans Resolve qui permet de le corriger. Ça s'appelle le de-hummer. Et si je le glisse sur ma piste, il va nous permettre de choisir entre 50 Hz ou 60 Hz. En fait, ça correspond à la fréquence du réseau électrique public en Europe et aux États-Unis. Donc selon où vous êtes, vous allez appliquer 50 ou 60 Hz. Et si tout va bien, le bourdonnement électrique devrait disparaître de votre enregistrement sans trop dégrader la qualité des dialogues. On arrive à la quatrième et dernière étape, celle qui est selon moi à la fois la moins utilisée et la plus importante, c'est le filtrage de l'audio. Alors même si on a fait déjà quelques petites corrections, on est toujours sur un audio avec un son qui est assez plat, dont on entend qu'il vient d'un micro assez milieu de gamme avec des petits moments où ça grésille. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout simplement que votre micro transmet moins bien certaines fréquences que d'autres. Une fréquence, c'est une note de musique. On voit que les notes basses ont une fréquence qui est assez grave, et de l'autre côté, les notes un peu plus aiguës ont une fréquence de plus en plus élevée. D'ailleurs, la sonnerie de votre téléphone, c'est un La 440
parce qu'il est pile poil sur les 440 Hz. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que tout son qu'on est capable d'entendre, c'est un mélange de différentes fréquences dans des recettes bien spécifiques qui fait qu'il est si particulier. La voix humaine, par exemple, c'est un mélange de fréquences qui est pour sa quasi-totalité entre 300 et 3400 Hz. Et d'ailleurs, si je bloque manuellement maintenant mon son entre 300 et 3400 Hz, ça devrait vous faire penser à la voix qu'on a au téléphone. Et bien, c'est exactement ce que fait votre téléphone. Il ne prend que les fréquences principales de la voix pour les transmettre et faire des économies de bande passante. Alors, on va pas aller jusque là parce que, comme vous voyez, ça sonne un petit peu basse qualité. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exclure de notre piste audio tout ce qui n'est pas important pour la voix humaine et qui vient au contraire baisser la qualité de notre audio. Donc pour ce faire, vous allez sur DaVinci Resolve et puis si votre audio est sur la piste 1, vous allez double-cliquer sur la piste 1 égaliseur. On arrive sur cet écran-là et donc ce sont nos égaliseurs. On réécoute une fois l'audio tel qu'il est actuellement. 1-2-1-2, ici Vincent. Vous êtes connecté avec mon nouveau micro Neewer. Donc ce qu'on va faire, c'est que de base, on va supprimer en mettant la bande 1 tout ce qui est en dessous des 100 Hz. Plus de batterie. Ça m'apprendra à pas être organisé. Donc on a supprimé tout ce qui est en dessous des 100 Hz parce que c'est pas utile pour la voix. Et on va supprimer tout ce qui est au-dessus des 10 kHz. Et d'ailleurs, si tout va bien, en faisant ça... 1-2-1-2, ici Vincent. Et franchement, c'est nickel. Et la dernière étape, et c'est là qu'on rentre vraiment dans les choses super importantes, c'est qu'on va aller écouter attentivement l'audio pour identifier les fréquences auxquelles il est un petit peu grésillant, un petit peu désagréable, et on va aller annuler ces fréquences en les abaissant. Regardez bien comment je m'y prends. Ici Vincent, vous êtes connecté avec mon nouveau... Là, on a entendu un passage où c'est vraiment grésillant et désagréable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'abaisser. Et en le cherchant, j'ai remarqué que si on va un petit peu plus loin, on arrive pile sur le grésillement qui me casse les oreilles depuis tout à l'heure. Et voilà, vous voyez, maintenant on arrive avec une forme bizarre, mais si on récapitule, on a enlevé tout ce qui ne nous servait pas dans les basses, tout ce qui ne nous servait pas dans les aigus, on a rehaussé un petit peu les graves, parce que pour ce micro-là, les basses manquaient un petit peu de corps à mon goût. On est allé annuler une fréquence qui grésillait assez désagréablement, et une autre où c'était vraiment insupportable ici. On va pouvoir comparer notre son initial à notre son filtré. 1-2-1-2, ici Vincent, vous êtes connecté avec mon nouveau micro Neewer, je peux décider d'être... Eh, franchement, ça tue, non? On va même aller plus loin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller comparer notre son initial non corrigé. Donc ce que vous écoutez maintenant, c'est d'abord le son tel qu'on l'a enregistré en sortie du micro, et on va enchaîner automatiquement sur la partie avec toutes les corrections qu'on vient d'appliquer. Ici Vincent... Vous êtes connecté avec mon nouveau... 1-2-1-2, ici Vincent, vous êtes connecté avec mon nouveau micro Neewer, je peux... Je sais pas quoi dire de plus, je pense que le son part de lui-même. On est parti avec un son qui est désagréable et on est arrivé avec un truc qui sonne vraiment pas mal du tout. Et déjà, on est passé d'un niveau de qualité audio d'un micro qui coûte 15€ au niveau de qualité audio d'un micro qui en coûterait entre 100 et 200. Donc franchement, c'est le jour et la nuit. Alors c'est clair qu'avec un micro à 1000€, on aurait tout de suite eu un son super agréable et presque sans correction. Par contre, là, on a fait... des sacrées économies, et si c'est un critère qui est important pour vous, je pense que le choix est vite fait. Prochaine étape, la vidéo de comparaison de tous les micros que j'ai en ma possession, où on va regarder ensemble leurs qualités, leurs défauts, pour qui ils sont faits ou pas, et s'ils vous correspondent. Oh bon, j'allais oublier. Chose promise, chose due, ce micro-là, il va partir chez l'un d'entre vous. Et franchement, vu ce qu'on vient de montrer, je suis pas en train de vous arnaquer. Surtout que un support comme celui-là, je le garderai bien pour moi, parce que j'en ai eu avec aucun de mes autres micros. Pour participer, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, vous l'êtes peut-être déjà, et à poster un commentaire qui soit quand même en lien avec la vidéo en dessous de celle-ci. Dites-moi si cette vidéo vous a été utile, ce que vous utilisez comme matériel, ce que vous avez appris, ce qui vous a manqué, ou... ce que vous avez mangé ce matin, je sais pas, non, ça c'est un petit peu moins en lien avec la vidéo quand même. À vous de voir, mais vraiment, autant en profiter pour échanger sur le sujet tous ensemble. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui ont adhéré à ma chaîne, c'est super encourageant, ça me donne envie de continuer à vous faire du contenu de qualité comme celui-là. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous souhaitez une super journée, et puis en attendant, on se retrouve dans la prochaine.